Bonjour, bienvenue à la fréquence EFT, j'ai des insomnies à cause de la pleine lune. Et oui, c'est encore la pleine lune. Si vous êtes comme moi sujette à cette merveilleuse rondeur de la nuit, vous devez vous réveiller très souvent ou vous retourner dans votre lit plusieurs fois, avoir les yeux grands ouverts, prêts à réaliser votre journée, alors qu'il n'est qu'une heure, deux heures ou trois heures du matin. Bien. Je vous propose donc de faire une petite séquence EFT pour nous aider à dormir paisiblement, même si Madame la Lune est présente. Si vous ne connaissez pas encore l'EFT, tout simple, suivez-moi, nous allons faire quelques mouvements, vous faites exactement les mêmes mouvements, et vous répétez juste les phrases que je vais dire. S'il y a des phrases qui ne vous conviennent pas, dites-les quand même, ce n'est pas grave, l'intention est de travailler sur l'insomnie due à la pleine lune. Et je vous invite à me suivre. Prenez un verre d'eau, hein. Vous savez bien qu'il faut boire énormément d'eau quand on fait de la médecine énergétique, simplement pour hydrater notre corps et les méridiens qui sont l'autoroute de l'information. C'est comme si vous étiez sur un bateau en train de descendre le canal du Midi. Il n'y a pas d'eau. Aucune info, aucun passage, vous ne savez pas arriver à destination. Et maintenant, nous sommes prêts à aller travailler notre insomnie avec moi. Même si j'ai des insomnies, je m'accepte totalement. Même si j'ai des insomnies, je m'accepte totalement. Même si j'ai des insomnies, je m'accepte totalement. Même si c'est la pleine lune et qu'elle m'empêche de dormir, je m'accepte. Même si c'est la pleine lune et qu'elle m'empêche de dormir, je m'accepte. Même si c'est la pleine lune et qu'elle m'empêche de dormir, je m'accepte. Même si mes nuits sont perturbées, je m'aime totalement. Même si mes nuits sont perturbées, je m'aime totalement. Même si mes nuits sont perturbées, je m'aime totalement. Même si je me retourne tout le temps dans mon lit, je m'accepte profondément. Même si je me retourne tout le temps dans mon lit, je m'accepte profondément. Même si je me retourne tout le temps dans mon lit, je m'accepte profondément. C'est la pleine lune et je ne dors pas. Chaque fois que c'est la pleine lune, je ne dors pas. Je suis énervée, stressée, nerveuse. C'est soir de pleine lune. C'est nuit de pleine lune. Je dors pas. Je fais encore des insomnies. Mes nuits sont agitées. J'aimerais tellement dormir. Mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à dormir. Je n'y arrive pas. C'est la lune. Cette lune qui est excitante et du coup me stimule un peu trop. Alors je me sens nerveux. Je me sens nerveuse. Et je me retourne. Et je me retourne encore.
et mes yeux sont grands ouverts. En pleine nuit, excitée, énervée, j'aimerais tellement dormir. Demain, j'ai une grande journée. Comment vais-je faire à mon travail? En plus, quand je suis fatiguée, je suis de mauvaise humeur. J'aimerais tellement dormir. J'aimerais tellement dormir. Toute cette fatigue, toute cette fatigue à cause de cette pleine lune, je suis fatiguée de ces nuits de pleine lune. Toutes ces insomnies, tout ce qui m'empêche de dormir, toute cette excitation est dans la tête et dans mon corps physique. Tout ce qui m'empêche de dormir. Je suis épuisée à cause de Madame la Lune. Toutes ces énergies stimulantes la nuit, ça m'empêche de dormir. Et je râle ou je pleure. Parce que je suis fatiguée et je voudrais tellement dormir. Je n'arrive pas à dormir à cause de cette pleine lune. Je n'arrive pas à dormir. Chaque fois, c'est la même chose. Je me réveille, je me retourne, encore, et ça m'énerve. Alors je me lève, et je suis fatiguée pour le lendemain. Toutes ces insomnies, tout ce qui m'empêche de dormir, toutes ces nuits agitées. Prenons une grande respiration, soufflez. Et on va prendre quelques secondes pour laisser venir toutes les petites pensées qui sont là. Peut-être qu'il y a des choses auxquelles je ne pense pas et qui sont en train de venir pour vous, qui sont en train de dire « Tiens, c'est l'inconnu à cause de cette pleine. » Et tout ça va être pris en compte. Laissez venir pour justement créer la sensation. Pensez à comment sont vos nuits. Et comment aimeriez-vous qu'elle soit? Et nous allons boire un coup d'eau avant de recommencer à tapoter. Et je vous invite à reprendre. Même si j'ai encore mes insomnies, je m'accepte. Même si j'ai encore mes insomnies, je m'accepte. Même si j'ai encore mes insomnies, je m'accepte. Même si la pleine lune me perturbe, je suis quelqu'un de bien. Même si la pleine lune me perturbe, je suis quelqu'un de bien. Même si la pleine lune me perturbe, je suis quelqu'un de bien. Malgré toutes ces nuits agitées, je choisis de rester calme. Malgré toutes ces nuits agitées, je choisis de rester calme. Malgré toutes ces nuits agitées,
Je choisis de rester calme. Toutes ces nuits agitées. C'est la pleine lune. Je suis énervée. Ça me stresse. Je suis nerveuse. Je suis nerveuse. Tout ce stress. Et je me retourne dans mon lit. Et je me retourne. Je n'arrive pas à me calmer. Je n'arrive pas à rester positionnée. Je me retourne et je me retourne encore. Et je pense à ma journée de demain. Tous ces rendez-vous. Tous ces clients. Tout ce travail administratif. Je dois conduire une grue, je dois conduire un appareil. Tout ça. C'est compliqué. Si je suis fatiguée. Ça tombe toujours hyper mal. J'ai des insomnies. Toutes mes insomnies. Je souffre d'insomnie. Ces sensations désagréables. Ces soirs de pleine lune. Ce sentiment d'être énervé. Presque angoissée. Et je pense. Je me tourne. Et je me retourne. Et je me retourne encore. Ces insomnies. Tout ce qui est là dans ma tête. Tout ce qui reste, ce reste d'énervement, ce reste d'excitation, ce reste de stress, ces insomnies qui restent, tout ce qui m'empêche de dormir paisiblement. Peut-être y a-t-il des pensées qui viennent pendant que nous faisons l'exercice. Laissez-les passer. Elles sont probablement en lien avec vos insomnies. Merci pour l'info et laissez-les passer. Revenez à nos tapotements. Et quoi qu'il arrive, continuez à tapoter. Même s'il y a des pensées, des personnes, des souvenirs. S'il y a plein de choses qui vous viennent, surtout continuer à tapoter pour nettoyer. Tout ça est en lien avec ce que l'on fait, donc c'est normal que ça surgisse. Ok, laissez-les surgir pour pouvoir les éliminer de suite. Et on les élimine en tapotant, en faisant de l'EFT. Et j'ai encore ces insomnies. Et j'ai encore ces pensées. Et j'ai encore ce stress. Et j'ai encore tout ce qui m'empêche de dormir à cause de cette pleine lune. La lumière qu'elle fait dans ma chambre. Ou tout simplement, elle me rend nerveuse, nerveuse. Tout ce que la pleine lune engendre. Mes sauts d'humeur. Mes insomnies. Tout ce qu'elle engendre. On va prendre une grande respire. Et à nouveau, prenons quelques instants pour laisser venir tout ce qui vous vient. Si vous repensez à toutes ces nuits qui sont agitées à cause de la pleine lune. La manière dont vous vous sentez dans votre lit quand ça tourne et ça tourne. Laissons les choses venir. Un peu comment faire comme un sac que l'on va éliminer grâce à l'EFT. Simplement, en s'apportant.
On va boire de nouveau une grande gorgée d'eau pour pouvoir s'hydrater. Et c'est reparti. Même si je souffre encore d'insomnie, je m'aime profondément. Même si je souffre encore d'insomnie, je m'aime profondément. Même si je souffre encore d'insomnie, je m'aime profondément. Même si la pleine lune m'empêche de dormir, je suis quelqu'un de bien. Même si la pleine lune m'empêche de dormir, je suis quelqu'un de bien. Même si la pleine lune m'empêche de dormir, je suis quelqu'un de bien. Même si je me retourne tout le temps, à cause de la pleine lune, je choisis d'être en phase harmonieuse. Même si je me retourne tout le temps, à cause de la pleine lune, je choisis d'être en phase harmonieuse. Même si je me retourne tout le temps, je choisis d'être en phase harmonieuse. Même si la pleine lune et moi, elle confie la nuit, je choisis de rester en paix. Même si la pleine lune et moi, elle confie la nuit, je choisis de rester en paix. Même si la pleine lune et moi, elle confie la nuit, je choisis de rester en paix. Malgré toute l'insomnie, je m'ouvre à la possibilité de nuit calme et paisible. Malgré toutes mes insomnies, je m'ouvre à la possibilité de nuit calme et paisible. Malgré toutes mes insomnies, je m'ouvre à la possibilité de nuit calme et paisible. J'ai encore des insomnies. Je me réveille encore beaucoup la nuit à cause de Madame la Pleine Lune. Toutes ces insomnies, cette pleine lune, cette pleine lune qui m'empêche de dormir, cette pleine lune, tout ce qui m'empêche de dormir, en lien avec la pleine lune, l'énergie de la lune est trop forte pour moi. Je suis en conflit avec l'énergie de la lune. Mon énergie est excitée à cause de la lune. Je n'arrive pas à rester calme malgré la lune. Toutes ces énergies perturbantes en lien avec la lune et toutes ces pensées que cela provoque. Toutes ces insomnies à cause de la lune et de mes pensées, tout ça c'est fini. C'est du passé. Tout ce qui m'empêche de dormir, la lune, mes pensées, ma nervosité, tout ça c'est fini. Du passé. Tout ce qui m'empêche de dormir, ce stress, ces pensées, c'est fini.
C'est du passé. C'est fini. Tout ce qui reste, tout ce qui m'empêche de dormir, c'est fini. C'est du passé. Je m'ouvre à la possibilité d'être en phase avec la lune. Je m'ouvre à la possibilité d'être calme et serein. Je m'ouvre à la possibilité de dormir merveilleusement bien les soirs de pleine lune. Je m'ouvre à la possibilité d'être paisible en cas de pleine lune. Je m'ouvre à la possibilité que mes nuits soient réconfortantes et restructurantes. Je m'ouvre à la possibilité que mes nuits soient réparatrices. Je m'ouvre à la possibilité que mes nuits soient douces et paisibles. Je m'ouvre à la possibilité que la lune n'ait plus aucune influence sur mes nuits. Je choisis d'être en phase avec la lune. Je choisis que la lune et moi soyons paisibles et en harmonie. Je choisis que mes nuits soient calmes et sereines. Je choisis que tout se passe merveilleusement bien pendant mes nuits. Je choisis d'être calme, serein et détendu. Je choisis que mes nuits soient réparatrices. Je choisis d'être protégée et en sécurité profonde toutes mes nuits. Je choisis que mes nuits soient douces, harmonieuses et calmes. Je choisis de m'endormir facilement, avec beaucoup de sérénité. Et si mes nuits étaient déjà calmes? Et si la lune et moi étions en harmonie parfaite? Et si je pouvais dormir paisiblement toutes les nuits? Et si mes nuits de pleine lune étaient aussi calmes que les autres? Et si je pouvais dormir aisément et paisiblement, en tout lieu, en tout moment? Et si je pouvais être en paix? Et si je me sentais en sécurité? Et si mes nuits étaient réparatrices? Si tout se passait merveilleusement bien, la nuit de pleine lune. Et si j'étais en paix avec moi et avec la lune?
Vous allez mettre les deux mains sur votre chakra du cœur. Et on va faire un dernier exercice de technique énergétique. Fermez les yeux si c'est plus facile pour vous et je vous invite vraiment à le faire. Et nous allons répéter ensemble une phrase. Je commande au plus haut degré de perfection. Dans la grâce et l'aisance, la guérison profonde et définitive de toute cause et origine de mes insomnies de pleine lune. Je commence cette guérison maintenant. Nous allons répéter ensemble le mot lumière afin de nous remplir et de nous apaiser. Lumière. 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 Une dernière fois. Expirez. Votre aide. Je vous souhaite de passer une très bonne nuit. Si malgré tout vous continuez à être énervé, recommencez cette vidéo autant de fois que vous en avez besoin. Utilisez-la peut-être comme prévention, donc à faire le soir avant d'aller dormir. Pensez aux quelques règles d'or dans ce même pays, c'est-à-dire pas de wifi, aucune connexion internet dans votre chambre. Évitez le plus possible tout ce qui est courant électrique. Donc pensez à prendre un petit réveil à pile, ne prenez pas trop de lampes, des lampes de chevet, etc. Tout ça peut perturber énormément votre sommeil. Pensez aussi, par exemple, au feng shui pour corriger des endroits dans votre lit. La géobiologie, vous êtes peut-être sur un cours d'eau ou une faille. Donc, il y a plein de petits trucs aussi que vous pouvez checker si, au-delà de cette pleine lune, vous avez des sommeils agités. Moi, je sais que je suis une petite dormeuse. Et donc, en fait, quand je me réveille, même très tôt la nuit, j'en remercie et j'en profite. J'en profite pour m'avancer, que ce soit dans mes emails, faire des vidéos ou tout simplement ranger la maison, etc. Donc j'en profite de ce moment-là pour faire ce que je n'aurais pas à faire dans la journée. Et surtout, je vais faire de la méditation, je vais faire mon soin Reiki. Je vais en profiter pour me nourrir, pour être disponible et fraîche toute la journée. Je vous souhaite une excellente nuit si vous allez dormir. Et malgré tout, si vous avez fait cette vidéo et que vous n'allez pas dormir parce qu'il est l'heure d'aller travailler, bonne journée. Pensez aussi que tout est dans votre tête. Vous pouvez choisir d'être fatigué et quand même de bonne humeur. Allez, je vous embrasse en vous souhaitant de trouver la paix dans votre cœur et dans votre tête afin de bien dormir. À tout bientôt!